Bonjour, très chers amis téléspectateurs de CSTV Balandi à Congo Sukisa TV, partout où vous êtes. Comme je vous ai toujours dit, Congo Sukisa, maître Donat, partout où je suis, je dois parler du Congo. Je vous ai toujours dit, même dans la douche, je parlais toujours du Congo parce que je respire, je mange, je bois et je dors, je me réveille avec Congo dans ma poche, dans mon cœur. Et aujourd'hui, je suis avec moi, comme vous le savez, aux États-Unis, plus précisément à Ohio, avec notre frère Eddie Duchemin que vous connaissez qui n'est pas à présenter et accompagné de, des autres invités que nous allons présenter tout à l'heure. Alors voilà, sans plus tarder, bonjour euh, Monsieur Edidi Bonjour Maître Donat. Encore une fois, Monsieur Congo cette tv Encore une fois et toujours un plaisir. Voilà, merci beaucoup. À ma droite, il y a euh, Terry et l'autre qui va se présenter. Ils vont se présenter eux-mêmes, mais moi je ne parle pas l'anglais. Monsieur Edidi va nous aider à interpréter. Ah, Morning. Euh, bonjour. B bonjour. Je m'appelle Terry. Yeah. Ok. <laughs> ben. Bonjour, Daniel Benedict. Daniel. Daniel Benedict. Daniel ben, Benedict. Ben, Vous ben, interprétez Benedict. Ah, Benedict. Ah, nest pas Benedict? Ah, nest pas Benedict? donc. Uh, Thierry euh, Azali, directrice de la campagne. Ouais. De kommt, euh, monsieur Dan Azali, directeur dans la, y a a d d a de l'information et de la technologie. Il est conseiller spécial de la technologie. Question. est nous sommes des Congolais. Tout le monde a une directrice de la campagne. Directeur technique, tu peux comprendre, mais comment la directrice de la campagne a été la directrice Non, à un moment, on est dans les États-Unis. Il y a une directrice de la campagne par rapport à ça. Pour qu'il y ait une fois que la porte, tu as la place plus facilement. Il y a anglais, bon anglais, il y a le anglais, au y a un Mais dans le Congo, on est de la campagne, il y a Congo. Il y a dans les États-Unis. Alors, Thierry, ça vous fait quoi d'être directrice de la campagne de M. Eddy Dichem et de VIP Si vous pouvez interpréter un peu He's asking, uh, "How do you feel about being my uh, my campaign manager?" And you can answer in English. Ah. Being the campaign manager for VIP has been such an honor and to um, partner with different places around the world to unite to make a change has been moving for myself and uh, I think I, I can't think of the words exactly, but Euh, ce qu'elle a dit, c'est que euh, vraiment, elle a, elle a trouvé que être une de ses campagnes pour l'équipe VIP, elle est émotionnelle parce que chaque fois qu'elle parle de, de VIP, elle voit le Congo. Mm -hmm. Elle comprend le Congo, comment le Congo souffre et ça lui rend vraiment émotionnel parce qu'elle voit les morts au euh, Kasaï, à Beni et tout. Mm -hmm. Et à chaque fois qu'elle parle du Congo, elle a les larmes aux yeux. Mm -hmm. euh, vraiment, elle a un grand cœur pour nous et euh, c'est ce qu'elle qu voulait dire. Est-ce que, Madame Thierry, vous avez été déjà conseillée euh, d'un politicien quelque part ou directrice? Euh euh, de campagne ou directif de quelque chose d'un policier auparavant ou sa première fois avec VIP avec Eddie Dismoe. He's asking if you've managed another political campaign before or you've been manager some other places uh, before you join me. yes i have i've done local campaigns and um, been manager in companies so yes i've managed people i've managed organizations and i've um, supported others to their success so um, the style that we are doing being a ground roots campaign being cell group driven um drives people to be engaged, to know that they have a voice, and to unite together, not only locally but internationally. So that makes a powerful difference that becomes unchangeable. She that she several before, and others, and she companies. Euh, mais elle trouve que notre campagne, comme euh, euh, notre campagne pointe vers les, les cellules, hein, où le, les gens dirigent le parti plutôt que euh, l'exécutif, elle trouve que c'est un système qui, qui travaille bien avec elle. Euh, et c'est ce qu'elle voulait dire en, en, en petits mots. Alors, euh, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, qu'est-ce que vous pensez du Congo quand vous voyez la situation actuelle, il y a des viols partout, il y a des tueries, ça vous fait quoi What do you think of Congo? When you think of Congo and you see on TV waves uh, and killings, what do you think? Ah. Thinking of the waves and killings, I think um, I think people. Are going to rise and get tired of this. I think there's going to be a movement for change. I really feel that it's a groundswell and it's a time, and the time is now. That's what we've been saying, and it's not just saying it as a political thing. I really feel that the people are tired of this happening to them, and there's so many resources, there's so many richness in, in just the people, the resources, the locations that so much can be done in simple ways. So I think. Um, Once they realize that themselves, once they feel that themselves, that there will be this uprising and the ability to come in and work alongside and change. Elle dit que tôt ou tard, ça va changer et ça va changer bientôt parce que les gens vont se fatiguer de ce système. Et elle peut sentir ça déjà, que les gens vont se mettre ensemble et ils vont travailler, ils vont se lever. Donc tôt ou tard, c'est question de temps. Ah, ça va arriver, le Congo va se lever et ça lui fait mal quand elle voit les tueries et le viol et tout. Mais ça dépend de, de la population. Donc le peuple doit se prendre en charge pour se lever. Mais c'est presque la fin, dont nous sommes presque arrivés. Et qu'est-ce que vous pensez, vous les Congolais, quand les autres pensent à notre place d'être ensemble, de s'unir pour sauver ce pays Et vous-même, vous pensez quoi Merci beaucoup, Tinkuteri. Merci. Merci. Alors on passe maintenant à notre deuxième invité, qui est aussi euh, euh, si pour ne pas dire membre mais qui est conseiller technique je pense de VIP vous avez oui c'est mon conseiller en matière technique mon conseiller en matière technique on va lui poser euh, deux petites questions ou trois peut-être c'est possible alors Monsieur Dan oui Dan, ouais, Dan euh, dites nous un peu qui est Monsieur Dan qu'est-ce que vous faites dans la vie au juste la vie professionnelle uh, Who are you What do you do in your professional life I've been in the technology industry for 45 years, and telecommunications for probably 30 years, uh, and that is in wireless communications, point-to-point uh, -point wireless communications, fiber, internet, um, telephone, um, computer systems, uh, the what they call colos, or the buildings where you can house. All of this uh, infrastructure, I've been involved with all of that over my career. C'est long, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il a été dans la technologie depuis 45 ans. Mmh. Euh, et euh, il, a, il a une grande carrière depuis qu'il a commencé, parce qu'il a fait le, le Wi-Fi, euh, le téléphone, euh, mmh. euh, ce qu'on appelle euh, en anglais colocation, hein, C'est-à-dire, euh, quand vous avez les, les compagnies de téléphone, il y, y a le fibre optique qui sort d'un coin et ça va finir à un autre coin. Les, euh, la termination de ce fibre optique, c'est ce qu'il fait. Mmh. Euh, il fait aussi euh, le satellite et autres. Et c'est ce qu'il a fait depuis 35 ans, euh, 40 ans.

For the Congo to build technology there. And you can start slow. And Congo has got a lot of infrastructure needs. We can start with wireless communications, build that out very quickly so that a lot of the um, public, as well as businesses like hospitals, schools, and that infrastructure can be put in place very quickly. Et ça aide à promouvoir les entreprises là-bas. Avec la des entreprises, il y a des emplois. Le standard de vie commence à augmenter. Et Eddie a cette vision pour ça. Et nous pouvons le faire. Moi, je ne veux, veux pas traduire, mais euh, je veux un peu euh, transmettre son message. Yeah. Bon, il dit que le Congo, ce hein, n'est pas, pas question de, de la location géographique du Congo, ou plutôt... Euh, de la superficie du Congo. Hein. Ça peut se construire facilement. Et avec les idées que nous avons, ça peut se faire. Euh, nous devons commencer par étapes. Hein, C'est-à-dire que nous avons un plan de commencer par. Quand il dit euh, la communication sans fil, ce n'est pas seulement le téléphone. Mais c'est que nous savons que le Congo a un problème d'infrastructure. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'érosion. On ne peut pas construire directement en mettant le fil ou le fibre optique en, 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 par terre, parce que de, à, ça risque de, de partir avec des érosions. Quoi. Donc on doit attaquer d'abord le côté euh, sans fil. Okay. Avec sans fil nous, nous voulons dire satellite, nous voulons dire euh, micro-ondes, euh, nous voulons dire wifi et les autres. Hein. C'est ce qu'il est en train de dire. Que si on, on commence par ces étapes, le Congo peut être techniquement euh, partant et euh, ça peut en, engendrer des, du, du travail et euh, de, des opportunités d'affaires. Et après ça, on va commencer par des vraies infrastructures où ça peut aller par la terre, et en dessous de la terre, en dessous de l'eau et tout. Mais on doit commencer par la communication sans fil. C'est euh, ce qu'il veut dire. Merci beaucoup. Alors, euh, peut-être dernière question. Euh, pourquoi vous avez choisi seulement d'être avec M. Eddy Dichuémé, le président de VIP, euh, dans ce sens-là, pour lui aider peut-être un jour, aider le Congo un jour dans votre domaine Est-ce que d'autres personnes vous ont déjà contacté Ou c'est peut-être par amour, par amitié que vous avez contacté Ou vous êtes rencontré avec M. Eddy Dichuémé pour faire ça Il vous demande pourquoi me? C'est <laughs> a, a good question, you know. Why me? Why, why are you working with me? Um, what's the, what's the, the reason behind it? Uh, have you been uh, contacted by other people before, but why did you choose me specifically? And be nice. <laughs> <laughs> um, well, I was contacted I, I got to know Eddie uh, through uh, Terry and Ray Terrell and build a relationship, knowing and starting to understand his background. He has an engineering background. He also has a heart for the people. Uh, he doesn't want to see them in poverty. He wants to see, he, the Congolese people have such an intuitive uh, creativity, and he wants to see that come out. And he wants to change that structure over there, that political structure, to where they get the corruption out and allow the people to thrive. And when I saw that, I saw that heart that he has. How can you do anything else but try to work with him, help him? Thank you. Mm -hmm. Well, he said that he met me in relation with Terry, mm -hmm. and when he saw that I had. Uh, Euh, un degré, on, 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 je suis ingénieur comme lui et que j'ai vraiment un cœur. Ah, ça c'est pas moi qui l'ai dit, dit c'est lui qui a dit que j'ai un cœur pour le Congo ce qui est vrai et pour les Congolais il a trouvé que euh, c'était vraiment important de me joindre euh, pour travailler parce que les Congolais ont, ont une créativité intuitive et il a étudié il a beaucoup étudié sur le Congo vu que non, le Congo euh, survit à cause de la créativité de ses, de ses euh, euh, habitants alors il a vraiment voulu aider les Congolais Hein, et il a voulu m'aider parce qu'il a vu que j'avais des plans, j'avais une vision, j'avais euh, le cœur pour le Congo. C'est pourquoi il est avec nous. Merci beaucoup, euh, M. Dan. Je pense que nous aurons l'occasion de euh, faire une interview en loin, en large avec vous, peut-être euh, pourquoi pas au mois de novembre, pourquoi pas prochainement. Mais quel est le dernier message que vous pouvez donner aux Congolais dans votre domaine? What's the last message? You know, he's going to come back and do an interview with you in length. Uh, probably in November, but he wants you to give a last message, you know, for the Congolese, what are they going to say? Well, I guess my last message is that the Congolese have hope. There is change on the horizon, and that is positive change. There is technology, there's infrastructure, there's also a lot of uh, will to make these changes uh, coming through VIP, and it will happen, But they have to be engaged as well. Il a dit que euh, le Congo, hein, en parlant aux Congolais, ait de l'espoir, que le changement vient. Le changement viendra bientôt et euh, on va travailler pour ça, mais le changement arrive. Et euh, surtout avec la VIP, vous allez voir qu'il y aura un changement. Il y a beaucoup d'espoir pour le futur. Il y aura la technologie, il y a autre chose qui vont avancer le Congo à, à se développer. Donc, ayez beaucoup d'espoir et surtout pensez au futur. Dernier mot à Mme Théry. Quel est le message que vous pouvez lancer aux Congolais par rapport à ce que vous faites pour VIP et Edith Dishuaymé Est-ce qu'ils peuvent espérer en lui uh, La message pour vous, selon ce que vous faites pour VIP et moi, uh, what's est the message que vous pouvez donner aux Congolais uh, Can ils expect de bonnes choses me? moi et peuvent-ils espérer Can ils can être hope? hopeful pour moi et pour VIP Ce que je dirais à vous, c'est de vous It's time, and there are so many of you that want a chance, want an opportunity, want a hand up. And we are going to provide those opportunities so that you step up and have that for you and your family. So I would say, get ready, get involved, and work with each other. Well, so be ready. be ready to face the challenges. Euh, nous, nous allons nous allons travailler sur ça, mais il dit, euh, elle dit principalement que vous, vous devez être prêt pour euh, pour affronter les défis qui, qui arrivent. Euh, elle a elle a beaucoup dit, hein, mais euh, c'est justement euh, ça ouais. le, le résumé. Merci beaucoup de vous avoir dérangé parce que dans les conditions où je vous ai trouvé, c'était un barbecue, une un anniversaire d'une dame de 86, 96 ans, 90 ans, euh, 90 ans. Euh, alors euh, Congo, ça dans nos habitudes, quand on veut parler Congo. On... On ne peut pas faire les choix de la place. Alors, euh, on vous a pris à pied élevé. En tout cas, merci beaucoup pour les messages. He said, thank you because he knows that you know he found us at the barbecue and uh, a birthday party, but you know he got the message out. So thank you so much. Thank, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, thank you, too. Thank you. Alors, le président dit. Oui. Euh, maintenant.

Vraiment, merci beaucoup, M. Didi Choué. Mais alors, euh, est-ce que le peuple congolais, a cause de la Nini, a t Monsieur à cause a comme président au Congo Ou bien, dès maintenant, à ce moment-là, tout le domaine de la technologie, à déjà, il y a comme de logo au Congo Ou bien, à cause de comme a président Congo Non, c'est vrai. question, madame, malade, parce que, d'un, mm -hmm. mm -hmm. on a eu coup de dans le avant. Donc, on a eu le projet de télécommunication. On a eu ça, on avant.

politique est bonne, n'importe qui au hasard congolais à solo son pouvoir. Pour toi, insister, congolais à solo, 100%. Papa, maman, congolais, tu vois, il y 50, tu non. Parce que tu souffres, mingi Dans le moment où congolais à 100% du pouvoir, congolais à 100% de la à Congo, tu te rends tu es dans un système où tu Mais la raison pour laquelle tu as insisté, tu te rends compte que tu es en bonne vie, c'est parce que tu n'as pas la politique. Tu tout. Tu n'as pas de 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 tout. Tu

katumbi azwa babilding akala abongisa asalá nzela oyo oui, ekenda tdtotkasblesa nzela wanaeztanae er, ya, ya repo teyo fandna na poto soktamolanzeazeaezala niniplace ya repo mwa restaurant mwa tel ipomp essnomoni mai biso na kongo tokufa kala mingi t nalobayango mingi totikla baasokanzela oyo oui, ebandina kasblesa ti naombashi epo eza te don yango nde babengivpp Top niveau. Et ça, c'est que au Tongi Mouke, au Tongi Stade, il y a un autre côté politique. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir dit. et ça a été plaisir, d'ici, mais à VIP, au Union Sangaye, à VIP, à Internet, je crois, 3 fois www.como, euh, enfin, 3 fois www.lavoieindépendante, ouais. hein? www.rdcongovip.org. Okay. Donc, on a dit que point org beaucoup d'informations à ça via Et puis, si vous a contact avec la VIP. Au Benghazi, on a mis ça, a en contact avec la VIP. On a allé à large, en profondeur, VIP IP à donc Donc, M. Lidichemet, c'est le président national, il a parti au Benghazi, VIP, en sigle, mais la voix indépendante du peuple. Alors, M. Lidichemet, pour aussi, ça, dernier mot. Euh, Congolais. Congolais, courage, euh, Congolais, soyons ensemble, Congolais, Tobunda. Euh, mieux vaut tout bounder, tout couper au téléphone, tout couper au lala, hein, tout bounder. Oh, baso fina, baso seká, baso loba, baso seká. Qu'on jusqu'à quand? Tout couper, y a au Et puis tout recouper au téléphone pour qu'on la mouqui, le monde entier. Tout signer ne au Ti, munguna okende. Ti, kabila okende. Et puis dans le bien au moins migna, nous sommes dirigés par des voyous, par des bandits, hein, des ministres bandits, des parlementaires voyous, euh, des sénateurs bandits. On peut pas laisser ça ainsi. C'est un pays, après tout ça, il 80 millions d'habitants. Tout ce qu'on a dirigé dans la bandit, à que vous avez respecter la loi, c'est tout élément. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette image, c'est grâce à Paul Olenga, le patron du Congo State qui est derrière la caméra. Et quant à moi, qu qu'est-ce à vous dire, c'est pas au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci, maître Donald. Merci, président. Bonjour, kombo nanga Zélie Angélique. Lélo na meme de promotion. deux promotions pour mon papa, na ba mama, na bana. C'est la TV et la na 70 livres. Wana okozwa un mois abonnement au fêlé. Soko lingiozwa 9 mois, one na 155 livres. One zui 9 mois Feli. Talande lingi, okufute lokote, wana souci longola. Après 9 mois 1m wana 15m wana 10 na 5 bachaîne ndenge olingi congolais français bachaîne mpona bapapa ba sport tennis basketball mpo na bana mpe tobosani te bachaîne nyonso ya badesi animé mpona bana batala sokolingo so mabox na yo lelo nde nazoloba lelo papa mama niméro ezoleka awa na se appelenou tokozala wana mpo na kopesa boxe na yo sepela